Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto tenerlos en esta conversación que la doctora Julia Sisa nos va a exponer y luego mis dos colegas van a comentar. Julia Sisa se educó en Italia y en Francia, por eso habla francés, italiano, inglés. Se graduó en la Universidad de Pavia en 1977 y hizo su PhD en 83 en el Centro de Investigaciones Comparadas de la Sociedad de las Sociedades Antiguas, ¿verdad? Así suena. Sí. En París, en Francia. Estuvo de investigadora en el Centro Nacional, igual en el CNRS, y en el Laboratorio de Antropología Social, en estudios de género y sexualidad en París. Y después se cambió a Los Ángeles. Y es profesora de estudios clásicos y es además cabeza del departamento, fue en John Hopkins, y de ahí ahora es profesora distinguida en el departamento de política y ciencia clásica en California, en la universidad, es la Universidad de California en Los Ángeles, ¿sí? Yo le doy la palabra a Julia. Gracias. Muchísimas gracias. Donc, mesdames, messieurs, je remercie vivement l'Universidad Autónoma Metropolitana et la professeure Maria García Castro, la professeure Eli Malfa, la professeure Anna Lau et la professeure Gisèle Archer. Et merci aussi à Angela Silver qui est déjà en train de traduire pour vous. Je remercie non moins vivement M. Guillaume Bocara qui, en tant qu'attaché de coopération scientifique et universitaire auprès de l'ambassade de France au Mexique, a pris l'initiative de cette visite et l'a merveilleusement orchestrée. Et merci à toutes et à tous, à vous qui êtes ici. C'est un honneur et c'est un plaisir d'être parmi vous. J'ai donc écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir des femmes. Peut-être un petit clic, Guillaume. Un petit clic déjà. Merci. Merci beaucoup. C'est un livre qui s'appelle Le pouvoir des femmes, un défi pour la démocratie. Donc, c'est un livre d'histoire, mais qui a l'ambition, l'espoir, le désir de nous parler aujourd'hui. Au cœur du livre, il y a trois paradoxes, un duel d'idées et deux conclusions que je considère tout à fait actuelles. Premier paradoxe, la démocratie antique, la démocratia, n'est sexiste. Dans le monde antique, le pouvoir du peuple, le kratos du démos, ne peut concerner que des hommes au masculin, car seuls les hommes sont censés être capables de combattre sur le champ de bataille, de gouverner la cité à tour de rôle. Les citoyens sont tout d'abord des guerriers dans le monde entier. Leur vertu, Andreia en grec, signifie courage. Mais avant tout, Andreia signifie virilité. Les citoyens au pouvoir, restent des guerriers dans la vie démocratique même. Le pouvoir du peuple consiste d'une part dans une prise de pouvoir, des citoyens ordinaires qui se relaient au poste de responsabilité dans l'administration, dans le gouvernement de la cité. Et d'autre part, la démocratia consiste dans une prise de décision
décisions collectives dans les assemblées du peuple. Ces décisions concluent des processus délibératifs. Donc, imaginons la scène, dans une assemblée du peuple, quelqu'un s'adresse à la foule, on discute pour ou contre, quelqu'un d'autre parle, mais après, il faut trancher dans le feu du débat, et parfois, on met la décision prise par écrit, sous forme de décret, il a paru bon au peuple, etc., un décret gravé dans la pierre, et finalement, on exécute, on fait exécuter cette décision. Or, pour faire tout cela, il faut un tempérament belliqueux, il faut un caractère ambitieux, il faut une bravoure hardie. Peut-être la suivante, s'il te plaît, merci Guillaume. Je vous présente le peuple, donc je vous présente une représentation allégorique du peuple. C'est cet homme majesté, assis sur une sorte de trône, qui se tient tranquille et pourtant sa musculature, son corps, nous dit qu'il est prêt à bondir. Nous voyons aussi que ce n'est pas un jeune homme, c'est un homme mûr. Et nous voyons que Démocratia lui pose une couronne sur la tête. Sur la tête, cette image est accompagnée d'une inscription très importante au-dessous donc de la représentation visuelle. Et c'est une décision du peuple pour protéger la démocratie contre la possibilité de coup oligarchique. Donc nous voyons le peuple, le démos, personnifié. Si le peuple est cet homme-là, la question se pose, et les femmes? Les femmes, pense-t-on, dans de nombreux textes que j'examine dans le livre, eh bien, les femmes sont molles, elles sont lâches, elles sont intolérantes à la moindre douleur, et elles ne supportent de faire le moindre effort. Et pour couronner tout ça, les femmes sont irrésolues. Irrésolues. Donc vous voyez que ces qualités qui sont à la fois physiques et caractérielles sont très différentes par rapport à l'image du corps de Démos, à l'image du Démos incarné. Les qualités martiales et démocratiques sont précisément les qualités que les femmes n'ont pas. La démocratia, le pouvoir du peuple, est fait sur mesure pour les mâles. Il y a donc un fossé entre la qualité démocratique moderne, avec son ambition universaliste par principe, et la démocratia antique, qui est une sorte de populisme machiste. Deuxième paradoxe, dans l'Antiquité grecque, les femmes ne sont pas moins rationnelles que les hommes. Bien au contraire. Les femmes, et je dirais même les femelles, étant plus froides, sont plus intelligentes, plus astucieuses, plus susceptibles d'apprendre et de garder en mémoire que les mâles. Et les mâles, de leur côté, sont plus chauds et par conséquent plus fougueux, plus impétueux, plus irascibles, plus agressifs, plus pugnaces, plus courageux. Bref, ils sont beaucoup plus portés sur la violence à la violence. Le chaud est en effet corrélé à une passion, un désir, un affect, le thumos en grec, mot que nous pouvons traduire en français par exemple comme ardeur, comme fogositate. Fogositate. Donc, c'est un trait de caractère, mais la chaleur, la flamme est là, sémantiquement. Plus chaud et plus doué de thumos, les hommes sont plus passionnés que les femmes. Or, il faut prendre la mesure de l'importance de cette façon de penser. Ces qualités physiques élémentaires, chaud, froid, sec, humide, sont au cœur de la représentation grecque de l'univers. Tous les corps, animés, inanimés, sont affectés par cette propriété, encore une fois physique,
qui peuvent être pures ou mélangées. La chaleur innée est indispensable à la vie. Le sang est plus ou moins chaud, plus ou moins dense, et puisque les passions qui affectent les vivants humains et non humains sont inséparables de la matière corporelle, eh bien les passions sont des expériences vécues à même le corps, des expériences du corps, donc du chaud, le tumor, et du froid, la terreur. Donc la terreur est glaçante, et si vous êtes un être vivant froid, vous avez du mal à supporter donc le gel de la terreur. L'opposition binaire, moins de tumos, plus de tumos, vaut pour la différence des sexes chez tous les vivants, de nouveau, mais aussi pour les peuples. Les gens du Nord, puisqu'ils vivent dans un environnement glacial, maintiennent leur chaleur vitale à l'intérieur du corps, ce qui les rend intrépides, combatifs, épris de liberté, intolérants à la soumission, même une soumission temporaire. Les gens de l'Est, au contraire, réagissent au climat doux de leur monde en laissant sortir leur chaleur innée de leur corps, d'où leur propension à se laisser assujettir, à ne pas se battre pour la liberté, à savoir la non-domination. En revanche, ces peuples, les peuples de l'Est, gagnent en intelligence, en dialoya, l'intelligence discursive, et en habileté technique, en technet. Les Grecs, entre les deux, entre l'Est et le Nord, sont parfaitement équilibrés, d'où leur capacité de diriger et d'être dirigés à tour de rôle. Chez les vivants sexués, la chaleur masculine permet tout d'abord la transformation du sang en fluide séminal, véhicule du principe de la vie et de la forme dans la génération. En revanche, la froideur féminine cause les règles et le fait que la mère, dans la génération, apporte uniquement de la matière et non pas de la forme. C'est un peu comme la fabrication du fromage. Il y a la matière, le lait, il y a la levure qui fait bouger le lait et fait coaguler cette matière pour obtenir une forme rudimentaire dans le cas du fromage. J'en conviens, mais c'est comme ça, Aristote nous dit, que la génération se passe. Ensuite, la chaleur du sang oriente le caractère. Il y a un rapport de proportion inverse entre l'intelligence et cette intentionnalité intense qu'est le thumos. Le thumos rend les mâles, encore une fois, je le souligne parce que c'est tout à fait important, dans cette généalogie des idées sur le genre, rend les mâles inclins à se battre, à gagner, à s'imposer, à diriger, et à se fâcher, et à se venger. La même ardeur contribue à les rendre résolus dans leurs décisions. Or, j'ai parlé des Grecs, en fait, j'ai parlé de la pensée d'Aristote. Peut-être la prochaine image. Merci beaucoup, Guillaume. Pour trancher à la fin d'un processus délibératif, il faut faire un choix, et Aristote nous dit, d'une part, que les femelles sont faibles en thumos, et d'autre part, que les femmes, donc les femelles humaines, sont invalides dans la capacité de mener leur délibération jusqu'au bout. Le même Aristote nous dit de surcroît que le choix, choisir, est un acte non pas cognitif, mais de maîtrise. Après avoir jugé et pondéré, le principe hégémonique de l'âme détermine que faire, comme un roi au mérite. Cela veut dire que les femmes s'engagent dans le processus décisionnel, mais ne parviennent pas à conclure. Permettez-moi d'agrandir cet argument dont on ne saurait exagérer l'importance dans l'histoire des idées de représentation sociale et morale du genre. Aristote systématise et rationalise les différents aspects
de la réalité sociale qui l'entoure. À Athènes, le peuple est au pouvoir. Mais le peuple au pouvoir, ce sont les mâles, adultes et libres. Ça, c'est un fait. Aristote offre une explication et une justification anthropologique de ce fait. Tout le monde n'est pas à la hauteur. Ni les esclaves, ni les enfants, ni les femmes. Nous, les femmes, les femelles de la race humaine, selon Aristote, nous sommes lâches, nous sommes également incapables de délibérer avec autorité, dit-il. Nous ne sommes pas privés de logos, de raison. Le problème est plutôt la raison pratique. Agir, faire, exécuter, c'est cela qui exige la capacité de prendre des décisions. Or, nous les femmes, nous avons bel et bien la faculté délibérative, en grec, tor, bouléotikon, mais chez nous, cette faculté est sans autorité, a culo. En latin, cette expression deviendra concilium invalidum. Invalidum. Donc, pourquoi cette invalidité, ce véritable handicap? Parce que lorsqu'on s'engage dans un processus délibératif, qui en grec s'appelle bouleosis, eh bien, l'on réfléchit, l'on utilise sa dianoïa, son intelligence discursive, l'on produit des jugements, kriné en grec. Mais à un moment donné, il faut arrêter de délibérer et il faut parvenir à une résolution. Il faut faire un choix préférentiel en grec, proairesis. Or, le choix, et ici, ça c'est un point qui n'est pas évident du tout, le choix, pour Aristote, est un désir délibératif. Donc, le choix, c'est une orexis bouleotikē, c'est un désir délibératif. C'est-à-dire qu'on cesse de cogiter et maintenant on souhaite passer à l'acte. Et pour cela, on est confiant aussi dans sa propre capacité d'agir. Donc, un mot d'ordre comme « Yes, we can » ou « Podemos » capture exactement ce qu'Aristote pense de la décision finale après un processus de délibération. Mais il faut savoir le faire. Pour se résoudre, il faut être résolu. Pour faire un choix, il faut pouvoir s'élancer délibérément, vaillamment dans l'intention d'agir en se faisant confiance. Pour décrire ce moment, le moment décisif, Aristote a recours à une image forte, visuelle. Il dit qu'il faut avoir dans l'art un principe hégémonique, to egumenon, un principe qui prend sur soi et tranche. Et dit-il, il fait cela comme un roi homérique. Et Guillaume, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc, un roi de l'intérieur qui, à un moment donné, est capable de couper court, de déterminer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire à d'autres. Dans l'image que nous pouvons regarder ensemble, il y a une des nombreuses représentations de ce que c'est dans l'histoire de l'art, dans la culture matérielle, de ce que c'est qu'un roi homérique. C'est-à-dire un roi homérique ne reste pas assis sur son trône. Un roi homérique, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui commande, qui dirige, qui se bat, qui s'engage à la tête de ses sujets. Et donc, nous avons une figure qui est à la fois de souveraineté et de pouvoir militaire, de commandement. Si nous avançons avec les images, nous avons des représentations visuelles du 18e siècle, encore de roi homérique, Agamemnon, Achille. Vous voyez Achille qui est sur le point de se venger, donc il est plein de tumors, il est plein de colère contre un autre roi. Donc vous voyez deux versions de masculinité royale. Et dans la prochaine, merci beaucoup Guillaume, dans la prochaine image, nous voyons un contraste, toujours réinterprété dans la réception aussi visuelle de la culture antique, nous voyons Hector, roi homérique guerrier,
comme il faut, qui reproche à son frère Paris d'être mou et relâché, de ne pas savoir faire la guerre. Paris, comme vous savez, commet l'adultère avec Hélène et cause la guerre de Troie, mais il combat très peu et très mal. Il fait l'amour pendant que les autres sont en train de s'étriper sur le champ de bataille. De nouveau, qu'en est-il de nous, des femmes? Eh bien, nous sommes capables de délibérer pour Aristote, mais sans autorité, c'est-à-dire sans pouvoir franchir le pas décisif, concluant, exécutif, royal, oui, je veux y aller, je peux y aller. Courage, nous les femmes n'avons pas le roi au mérite en Dieu. Donc, encore une fois, je le répète, j'insiste, parce que beaucoup, beaucoup d'idées se sont nouées à partir de cette matrice idéologique. Nous sommes capables de délibérer, mais incapables de nous décider. Nous pensons trop, comme on dit aujourd'hui parfois, un stéréotype dont il faut se méfier. Nous sommes contextuels, nous sommes multitasking, nous pensons trop. Dianoïa me parle du MOS, comme les peuples asiatiques, donc intersectionnalité. Nous sommes molles et sommes-nous capables d'atteindre l'excellence des vertus? Aristote pose la question, réponse, le courage d'une femme, une femme qui serait courageuse en tant que femme, serait couardise pour un homme. Donc, que la femme soit veuve par nature, nous l'avons compris, froide, la femelle se laisse engourdir par la terreur, puisque le froid la refroidit encore davantage. Dépourvue de fougue, elle ne peut pas résister devant l'ennemi. Portée au découragement, elle ne saurait tenir avec confiance en elle-même. Elle ne saurait endurer la peur, c'est ça, être lâche. Elle ne supporte pas l'inconfort. Elle peut se permettre un courage non seulement approximatif par rapport au courage masculin, mais aussi, et ça c'est vraiment ce qui fait déborder la coupe, un courage adapté à des tâches serviles, subalternes. Donc, la femme est faite pour servir, y compris dans ses formes d'excellence et dans ses domaines. Donc, la passion est du côté de la femme, la raison est du côté de l'homme, l'intelligence est du côté de la femme. Et la passion est cruciale dans le processus délibératif en tant que décision. La pensée chrétienne va changer tout cela, notamment chez Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Peut-être l'image de Thomas d'Aquin, merci beaucoup Guillaume. Thomas d'Aquin, tout en reprenant Aristote à son compte, pousse l'infériorité féminine jusqu'à l'irrationalité cognitive complète. Thomas reprend les textes d'Aristote, surtout le premier livre de la politique, où il est question justement de la faculté délibérative défectueuse, et il répète, l'esclave en tant que tel ne délibère pas sur ses actions. La raison en est que nous délibérons sur ce qui est à notre pouvoir, alors que les activités de l'esclave sont au pouvoir de son maître, et non en son propre pouvoir. L'esclave n'a donc pas le pouvoir de délibérer librement, mais la femme étant libre a le pouvoir de délibérer, même si sa délibération est faible. La raison en est que sa raison, et ça c'est le point, à cause de la mollesse de sa nature, adhère faiblement à la délibération et s'en détourne rapidement en raison d'émotions, de passions particulières, par exemple la concupiscence, la colère, la peur ou autres affects. Donc, combinant Aristote et la Bible, saint Thomas soutient également que la création d'Ève à partir de la faute d'Adam annonce la nécessaire soumission de la femme à l'homme. La femme est quelque chose de déficient et d'accidentel. Feminine est aliquid deficiens et occasionato. Donc, la femme existe par accident. Cet accident est nécessaire parce que Dieu a inscrit dès le départ l'existence de la femme dans le plan de la nature. Il fallait que l'espèce soit préservée par la procréation. Et s'appuyant massivement sur Aristote, Thomas d'Aquin nous dit que la femme est soumise, doit être soumise,
et avec une telle soumission, la femme est naturellement soumise à l'homme parce que la discrétion de la raison prévaut dans l'homme. Donc, discretio rationis. Donc, le tour est joué. À partir de ce moment-là, la femme a tout faux pour saint Thomas d'Aquin. L'homme chrétien est plus intelligent, plus perspicace, plus clairvoyant qu'une femme. Sa supériorité cognitive naturelle vient à justifier sa vocation à diriger, à gérer, à gouverner. Et en effet, c'est la faculté avec laquelle il connaît, juge et se comporte qui donne au chef de la femme, comme on dit, un pouvoir naturel, rationnel et légitime. C'est Dieu qui l'a créé ainsi dans le dessein originel de la nature avec un grand S. Donc, à partir de cette matrice de pensée, ce noyau qui a généré, engendré toute une tradition, souvent femme varie, ce n'est pas seulement un air d'opéra, c'est un stéréotype séculaire qui résume une théorie du tempérament, une théorie médicale et morale qui, depuis la pensée médiévale, s'impose à l'évidence jusqu'au XVIIIe siècle. L'histoire des idées sur la longue durée nous permet de comprendre à la fois les tournants et les continuités de cette histoire. Troisièmement, troisième paradoxe, les femmes puissantes sont des femmes possibles. On peut peut-être voir la prochaine image. Pardon Guillaume, la prochaine encore, excusez-moi, voilà. Ça c'est un tableau. C'est le tableau qui est sur la couverture du livre et qui représente Héraclès, le grand gaillard qui accomplit exploit après exploit, qui se retrouve à un moment donné soumis par la reine de Lydie en femme. Oh, bien sûr, l'universalisation des droits, l'égalité égale pour toutes et pour tous, cela appartient à la vision moderne de la qualité démocratique qui émerge de la pensée des Lumières. Mais l'imaginaire antique et aristocratique nous fait voir des reines jupitériennes, des jeunes filles héroïques, des guerrières victorieuses. Pensons à la tragédie grecque, à Antigone, pensons aux mères qui éduquent leurs enfants à l'égalité, à Jocaste, sur scène. Les femmes du passé aristocratique enseignent les valeurs démocratiques à leurs enfants. Certains diront ce ne sont que des exceptions et les exceptions ne font que confirmer la règle. Non, moi je dis ces exceptions montrent que l'exceptionnel est possible. Le théâtre antique met sous les yeux de tout le monde, en plein air, la possibilité de l'exceptionnel. Aujourd'hui encore, la singularité des femmes singulières inspire, encourage, donne confiance. Certains pensent que pour une femme qui franchit le plafond de verre, il y en a 1000 qui ramassent les morceaux. À mon avis, ce n'est pas vrai. Il y a 1000, 100, peut-être seulement 10 petites filles qui se disent « Eh bien, moi aussi je peux. » Les modèles agissent sur nous. Nous sommes des animaux mimétiques. Voilà donc pour les trois paradoxes maintenant le duel historique. Il existe un contraste fondamental. Un conflit entre les droits égaux, droits humains, droits naturels, parfois dits naturels, droits universels d'une part, et la loi naturelle, dite aussi droit naturel au singulier, grand L, grand N, grand droit, D, grand N. Donc, les droits. La loi naturelle, les droits, le droit naturel. Pourquoi ce conflit? Les droits, au pluriel, sont des facultés protégées par la loi. Ce sont des pouvoirs, possibilités d'agir, de penser, de vivre. Les droits, entendus comme cela, se transforment, se multiplient, viennent à reconnaître de nouvelles demandes de la part de nouveaux sujets sociaux.
Par exemple, le droit de se marier pour un couple de l'inceste, voilà une faculté protégée par la loi, et c'est nouveau. Ce droit au mariage pour toutes et pour tous vient à reconnaître une nouvelle possibilité réclamée par des personnes qui aujourd'hui souhaitent jouir de cette même option, de cette même faculté qui est disponible pour les couples de sexe opposé. Et cela au nom du principe d'égalité afin d'avoir accès à toute une série d'autres droits, par exemple des droits de succession. Les dictats de la loi naturelle, au contraire, sont en fait des impératifs innés que, d'après le jus naturaliste, nous découvrons simplement par le raisonnement. Ce sont des devoirs, en fait, des devoirs qui se manifestent dans des penchants spontanés, qui s'incarnent dans des pulsions physiques, tout d'abord le désir sexuel entre sexes opposés. Toute déviation par rapport à cette précepte d'inclination n'est pas simplement erronée dans cette logique de la loi naturelle, mais innaturelle et déraisonnable, depuis l'homosexualité jusqu'à la bestialité. Le rapport sexuel de surcroît exige le respect d'une asymétrie naturelle, considérée comme naturelle, je souligne, entre la femme et l'homme. Cette disparité est expressément inscrite dans la loi naturelle. Le mariage exige une quasi-égalité, comme l'affirme aujourd'hui John Finnis, un des jus naturalistes contemporains aux États-Unis, parmi les plus influents. La loi naturelle, c'était sur la pensée aristotélicienne, devient la théorie légale et morale du monde chrétien, et encore davantage de l'Église catholique, depuis Thomas d'Aquin jusqu'aux jus naturalistes dits modernes tels Richard Cumberland, Brochus, Samuel Pufendorf, Jean-Jacques Burlamaqui et à sa manière Jean-Jacques Rousseau. Mise à mal par les conceptions positives et utilitaristes de la loi naturelle est restée fondamentale pour l'Église catholique. Il faut vraiment écouter ce qu'en dit Benoît XVI. Permettez-moi de rentrer brièvement dans le détail. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la lex naturale? Qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? Aristote plante le décor. Il fonde la société sur la nature, faisant ainsi de la maisonnée, de la maison, de la famille, une communauté composée de mari-femme, père-enfant, maître-esclave, le fondement de toute société. Le mariage, le terreau, le noyau, le vivier de la société. Le couple conjugal est téléologiquement orienté vers la procréation. Il est aussi essentiellement asymétrique, depuis le corps jusqu'au caractère, jusqu'aux vertus éthiques et à la raison pratique. Nous avons déjà vu ça. Le couple hétérosexuel est un partenariat politique ou aristocratique, mais en tout cas asymétrique. Le mari gouverne le couple, précisément pour toutes les bonnes raisons que nous avons déjà mises en évidence. Par le biais du mariage, Aristote, donc, je le répète, fonde la société dans la nature. Or, en s'appuyant sur Aristote, Thomas d'Aquin, peut-être Thomas d'Aquin, merci beaucoup Guillaume, nous avons dépassé Aristote, c'est ma faute, excusez-moi. Eh bien, Thomas d'Aquin pose sa définition qui est la pierre de touche de la tradition de la loi naturelle. Premier postulat, par nature, il faut entendre non seulement les effets physiques du climat, la physiologie, mais ce que tout être doit parvenir à devenir en réalisant ses potentialités. Donc, notre nature, c'est notre fin. Le point de vue finaliste d'Aristote sur la nature est bien adapté à l'idée chrétienne selon laquelle une divinité omnisciente et omnipotente a créé l'univers en vue du bien. Le bien, affirme Thomas, est en effet une fin que Dieu a incorporée dans la nature même. Il s'ensuit que notre raison perçoit comme bonne toutes les choses pour lesquelles nous avons une disposition naturelle. Le bien
nous apparaît, autrement dit, de manière compréhensible et logique, comme un objet à poursuivre. À l'inverse, nous percevons le mal comme une chose à éviter. La nature et la raison s'accordent. La loi naturelle, l'ex naturalis ou ius naturalis, s'appuie sur cet accord. L'ordre de ces préceptes, cette phrase est très importante, l'ordre de ces préceptes correspond à l'ordre des inclinations naturelles. Les normes, autrement dit, sont vécues comme des propensions. Les unes et les autres sont raisonnables parce que la nature est raisonnable. Et voilà pourquoi toutes les tendances alternatives aux inclinations naturelles doivent être forcément contre nature. Une autre prémisse fondamentale de la loi naturelle est la suivante. Malgré le péché originel, l'anthropologie thomiste fait confiance à l'être humain. Tout d'abord, nous avons une disposition à poursuivre le bien conformément à notre propre nature. Nous faisons spontanément l'expérience de cette inclination, de ce penchant dans la bonne direction, ce que nous appelons précisément inclination. Or, le bien premier pour chaque substance, le simple fait d'être au monde. Donc on commence sur un registre qui a l'air d'être abstrait, mais vous allez voir que ça devient très concret. Chaque substance tend spontanément à préserver son propre être là, conformément à sa propre nature. Donc l'être a tendance à persister dans le temps. Or les vivants tendent à s'inscrire dans la durée en tant que tel. Le bien primordial, donc le but numéro un de la loi naturelle, c'est la vie elle-même. En raison de cette inclination, conserver la vie humaine, tout ce qui est un moyen de conserver la vie humaine et d'empêcher le contraire appartient à la loi naturelle. Le but numéro 2, c'est la propagation de la vie humaine malgré la mort des individus. Et c'est là que nous en arrivons à la sexualité et au mariage qui se trouvent au cœur de la loi naturelle. Car nous tendons vers les choses qui nous concernent de plus près selon la nature que nous partageons avec les autres êtres vivants. En vertu de cette orientation de nous-mêmes, appartiennent à la loi naturelle les choses que la nature a enseignées à tous les animaux, comme la relation sexuelle entre mâle et femelle, l'éducation de leur progéniture, et ainsi de suite. Voilà donc le véritable contenu normatif de la loi naturelle. C'est un impératif catégorique à faire durer l'être de substance, donc à perpétuer la vie des vivants. Donc à propager l'espèce, donc à procréer, donc à s'unir sexuellement entre vivants de sexe opposé. Les historiens de la pensée juste naturaliste ont tendance à mettre en premier plan la sociabilité, c'est-à-dire la propension des êtres humains à vivre ensemble, mais la sociabilité n'est qu'un prolongement de cette première société naturelle qu'est la famille, une association fondée sur la conjonction conjugale et encore un amont sur la pulsion sexuelle. Or, l'hétérosexualité est le socle sur lequel se tient l'édifice entier du monde, pour Thomas d'Aquin et pour les théoriciens de la loi naturelle, anciens, médiévaux et modernes et contemporains. Et l'hétérosexualité est asymétrique. On parle beaucoup, dans ce langage, on parle beaucoup de complémentarité. C'est-à-dire, en fait, de l'infériorité et de la soumission des femmes. Nous pourrions nous demander, mais pourquoi est-ce que le couple hétérosexuel marié, pourquoi est-ce que le couple hétérosexuel marié n'est pas un partenariat égalitaire dans lequel les rôles peuvent être échangés? Eh bien, voici la réponse. Thomas d'Aquin, toujours avec Aristote en un mot, nous dit que la génération de la procréation a un aspect physique, évidemment, mais il y a aussi l'éducation de la progéniture. Et dans l'éducation de la progéniture, nous rencontrons la différence, la disparité
La dissymétrie, il faut souligner ces mots-là, la dissymétrie entre le féminin et le masculin. Pourquoi ? Parce que Thomas nous dit, dans le mariage, la mère nourrit, le père instruit et protège. Donc, je répète, nous nous souvenons de ce qu'Aristote nous a dit, c'est-à-dire du fait que la mère apporte la matière à la procréation et le père apporte le principe de la vie et de la forme. Nouvelle version du même concept, de la même logique. La mère apporte la nourriture terrestre, disons, aux enfants, le lait et puis tout le reste. Le père apporte protection et éducation. Nous pouvons revenir sur les raisons pourquoi le mariage est confortable pour un homme. C'est qu'un homme ne s'occuperait pas de ses enfants s'il ne savait pas qu'ils sont ses propres enfants, d'où la nécessité du mariage monogamique. Mais en tout cas, ce qui est tout à fait essentiel dans ce raisonnement est que toute l'argumentation se tient sur cette différence essentielle, fondamentale, naturelle, indépassable entre la maternité comme matérialité d'une part et tout ce qui vient du côté de l'homme et de la paternité, c'est-à-dire l'éducation sociale, morale, la vertu. Vous voyez que tout se tient, tout tombe en place par rapport aux présupposés dont nous sommes partis. Et voici deux conclusions. Je voudrais dire deux choses. Nous, les femmes, nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser le projet novateur et émancipateur des Lumières. Aujourd'hui, les Lumières sont très controversées, mais moi, je prends le parti des Lumières. Et je prends le parti de cultiver des Lumières résolument roses, voire arc-en-ciel. Pour ces Lumières-là, nous pouvons compter sur un vieil ami à la fin du XVIIIe siècle, Nicolas de Condorcet. Peut-être, Guillaume, nous pourrions voir Nicolas de Condorcet. Merci beaucoup. Penseur radical de l'égalité et de la perfectibilité des êtres humains. Condorcet a écrit, entre autres, un essai contre l'esclavage des Noirs et un essai sur l'admission des femmes au droit de cité. Pour promouvoir l'égalité véritable, nous apprend Condorcet, il faut s'engager expressément dans ces deux combats d'idées. Et aujourd'hui, nous appelons ça intersectionnalité. Eh bien, Condorcet l'appelle égalité, tout simplement. Donc, tout commence avec Aristote, mais tout se termine avec Condorcet. Pourquoi ? Parce que dans la pensée de Condorcet émerge une définition des droits naturel au sens d'humain, partagé de manière complètement, absolument égalitaire parmi tous les êtres humains et parmi ces facultés protégées par la loi, ces possibilités, ces options, il y a celui, le droit de participer à la confection de lois, donc à tout ce qui relève de l'activité politique. Donc, Condorcet, en ouvrant le droit de cité aux femmes, dans son argumentation, ouvre la porte du pouvoir, de l'administration, du gouvernement aux femmes. C'est un penseur, à mon sens, indépassable et toujours source d'inspiration philosophique pour nous toutes et nous tous. J'ai dit que tout commence avec Aristote, tout s'arrête avec Condorcet, mais hélas, cette histoire n'est pas finie. Benoît XVI et les juristes naturalistes contemporains appellent de vive voix un retour contemporain, tout simplement. Benoît XVI, le pape, Benoît XVI, grand théoricien, si. Benoît XVI a été un grand théoricien de la loi naturelle et de la nécessité pour l'Église catholique de repenser très très sérieusement
la loi naturelle, ces textes sont extraordinaires et sont disponibles, y compris sur Internet. Les textes officiels donc, du Vatican sont disponibles et sont une lecture, à mon avis, indispensable. Nous devons tous et toutes lire pour comprendre la logique de cette pensée. Mais donc, les juste naturalistes contemporains appellent à un retour vers Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, n'est-ce pas, trois fois, et vers Aristote. Les batailles sur les droits reproductifs aux États-Unis et ailleurs, sur l'avortement, sur l'homosexualité et en général sur les relations de genre, sur l'égalité des genres, s'inscrivent dans un revival de la loi naturelle. C'est-à-dire que les juste naturalistes sont en train de vraiment de mener une guerre contre les droits reproductifs. Reproductive rights. Il y a une véritable culture war. Ce n'est pas une métaphore. Et je dirais que d'Athènes à Washington, cette tradition a créé un modèle d'interprétation de la différence sexuelle qui se veut délibérément contraire à l'égalité et donc à la reconnaissance des droits en tant que faculté protégée égale. Nous sommes libres de l'approuver, bien sûr, mais nous devons en connaître l'histoire. Je plaide donc pour une connaissance historique des discours qui ont justifié l'exclusion et la non-reconnaissance des femmes, et je souhaite montrer, j'essaye de montrer dans mon travail, l'utilité, et oui, j'ose prononcer ce mot, le mot « utilité », je crois à l'utilité du savoir, ce savoir sur la provenance de nos idées, les mauvaises et les bonnes, et je vous remercie. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Bueno, yo le doy las gracias a Julia y no me voy a quedar callada, porque yo soy historiadora, historiadora de las mujeres y las relaciones de género, y me parece que haces una trayectoria del pensamiento desde Aristóteles, Platón, etcétera, con, por supuesto, con Santo Tomás, de cómo viene aquí toda la derecha, y de dónde se agarran para quitarnos los derechos. Y sobre todo ahorita que está de moda la ideología de género. Me parece muy interesante tu recorrido de ese pensamiento antiguo para llegar al siglo de las luces, que cambia completamente la forma de pensar en todos estos derechos y luego cómo se retrotraen esos derechos. Creo que eso es, te felicito por la forma en que lo pudiste presentar en tan poco tiempo. Ya sé, yo vi el libro, es mucho más interesante y se los recomiendo para que lo lean. Pero, ¿cómo esta sexual? Bueno, primero, ¿cómo la exclusión de las mujeres? Es interesantísimo ver cómo llega al siglo XIX y XX. ¿Sí? Y de esa exclusión, el hecho de que seamos frías y no calientes. Eso es muy interesante, porque eso empieza con Aristóteles y sigue por mucho tiempo. Todo el 19 mexicano habla del frío y el calor. Y además, cómo la heterosexualidad se impone. Sí, y no es, eso no es la realidad, pero sí es la historia cultural de las ideas.
Sí, perdón, pero tenía yo que decirlo. Ahora vamos a escuchar. Ahí, a ti, ¿verdad? A la doctora Eli Bartra, espérenme porque por emocionarme. Eli Bartra es mi amiga, es mexicana, es doctora en filosofía y es además profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y es también investigadora nacional emérita del SNI por CONACYT. Es autora de infinidad de libros sobre el cuerpo, el desnudo, el arte, ideología y mujer, ideología y arte. Tiene una gran bibliografía en español y en inglés, que también invito a leerla, porque es muy interesante su punto de vista desde la filosofía antropológica que ella maneja. Y Eli ha publicado, aparte de multitud de libros, decenas de artículos, ha sido invitada a diversas universidades de México, Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Oceanía. ¿Verdad? Sí. ¿Me gusta viajar? No. No. Muy buenas tardes, ya. Agradezco mucho la invitación a presentar este libro de Julia Sisa, Le pouvoir des femmes, y sobre todo agradezco la oportunidad de haberme podido acercar a él. Enhorabuena por esta publicación. Se trata de un libro fantástico, como bien se dice. En la contraportada de tu libro lo dice, yo nada más leí la contraportada y lo repito, es un libro brillante. Es de una erudición helenística envidiable y de una enorme riqueza. No sé si a ella le gustará, pero a mí me parece que escribe como mujer. Diría que es una escritura en femenino y se parece a muchas mujeres que he leído, o por lo menos a mí me recuerda mucho, por ejemplo, una forma de escribir, obviamente es muy subjetivo, pero me recuerda a Marguerite Duras. Párrafos breves y algunos muy breves, muy cortos, una frase o dos, contundentes. Algunas japonesas escriben de manera semejante. Pienso, por ejemplo, en autoras como Banana Yoshimoto o Mieko Kawakami, me lo parece, me lo recuerda. Como les digo, eso es subjetivo siempre, ¿no? Además, la autora hace uso de una fina ironía a lo largo del texto, un recurso muy de las mujeres, sabido es. Solo en esto me hace pensar en la escritura de Rosario Castellanos, y a mí personalmente es una forma de escribir que me agrada mucho. Al leerlo, pensé también en un libro de una mexicana que quisiera aprovechar para mencionarla. Mujeres, diosas, musas tejedoras de la memoria, de Margarita Dalton. Otra Margarita. Que representa una crítica a varios de los filósofos de la Grecia antigua, entre ellos Platón y Aristóteles. Es también, como este de Julia Sisa, una relectura de ciertos clásicos griegos desde el feminismo. Me gustó recordar, y se los recuerdo a ustedes, que el pensamiento de Rousseau cuando dice que, dice Rousseau, como las mujeres no somos similares a los hombres, yo digo, claro que no, no lo somos. Y como no somos similares, no podemos ser iguales. Tampoco queremos ser iguales, ni somos iguales. Estaba en lo cierto, no somos iguales. O bien, cuando dice que las mujeres se hallan enredadas en experiencias corporales y sensuales, decía Rousseau. Pues quizá es así, quizá tenía razón, pero no únicamente en ello. Nos hallamos enredadas en eso y mucho más.
Somos cuerpo, ni duda cabe, pero no únicamente cuerpo. Al principio me quedé un tanto varada, o tal vez mi cuerpo enredado, con la afirmación de la autora de que a Condorcet, y lo acabamos de escuchar, quien entre otros sustituye las leyes de la naturaleza por los derechos humanos, léase, evidentemente, derechos de los varones, de que Condorcet, que a Condorcet le debemos la posibilidad de la emancipación y de la igualdad. Digo, Condorcet del siglo XVIII. Para él, las mujeres son incapaces. La prueba es que no hay mujeres en liderazgos, decía. Pero sí los hubo, nos recuerda y nos señala la autora de este libro. Asimismo, se da el crédito siempre inevitable a Poulain d'Alabard, la igualdad con la igualdad de los sexos. La autora reivindica con todo y todo el feminismo de estos pensadores del siglo XVIII y en particular, como acabamos de escuchar, a Condorcet. Pero me pregunto, ¿por qué no aparecen como las precursoras de Condorcet desde un principio y no en las conclusiones, por ejemplo, Christine de Pizan, la Cité des Femmes, y no aparece ni la mención de alguien como Flora Tristán, ambas del siglo XV francés, mucho antes de los dos señores mencionados? La sospecha, dice la autora, la sospecha hace pensar a las propias mujeres si son tan inteligentes, tan capaces como los hombres, dudan de su legitimidad. Este es el punto de partida nodal de Sisa. Pero pienso que la sospecha nos lleva también, un paso más allá, a realizar nuevas investigaciones. Necesitamos la sospecha, la duda, una variante tal vez del escepticismo clásico, que ha desembocado quizá en la sospecha de hoy en día. La sospecha es necesaria para revisar todo lo producido por el pensamiento y la investigación androcéntricos, y es lo que hacen las pensadoras, las académicas feministas. Por ello, la sospecha tiene un par de vertientes importantes, no solamente el dudar de nosotras mismas. Sospechamos que somos medio tontitas. En primer lugar, se sospecha, hombres y mujeres sospechan que las mujeres no pueden, que ellas no son capaces. Eso es lo primero. Por ejemplo, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Una pregunta falsa que conlleva a una respuesta falsa. La respuesta es porque son incapaces, porque no pueden. Y dos, la sospecha de que las mujeres sí pueden, pero lo han tenido todo adverso. Es preciso, aún hoy en día, seguir demostrando una y otra vez que sí hemos podido, que sí podemos. Lo que hace Julia Sisa es justamente partir de ahí, de la sospecha, e interrogar qué pueden las mujeres. Y en tanto filósofa helenista, se centra en la Grecia antigua. Preciso es señalar que el término de poder no es para ella solamente dominación, sino la capacidad de hacer, de acción. Con el telescopio hacia la Grecia antigua, analiza el sexismo de la democracia. Es ahí donde se da el primer desencuentro entre el pueblo, neutro, y las mujeres. El pueblo, esa abstracción que nunca ha incluido a las mujeres. El pueblo, aparentemente neutro, pero que en realidad se concibe, se lo representa como masculino, que es lo que nos ha contado Julia hoy, ¿no? Nos lo muestra la autora de manera contundente y detallada, con la imagen escultórica de Demos, el pueblo, en Atenas, con un bello varón.
La democracia como el voto universal o libertad, igualdad y fraternidad, ¿para quiénes? La democracia es eminentemente sexista, clasista y racista, por decirlo menos. Habría entonces que sospechar siempre del concepto democracia y no tomarlo como lo mejor que existe, como la panacea, lo positivo socialmente por excelencia. La democracia se organiza con base en representantes del pueblo y estos representantes han sido todos, en el pasado y hoy, en su mayoría, varones. Y en la Grecia democrática, ni las mujeres, ni los esclavos, ni los metecos tenían ciudadanía. ¿De qué democracia estamos hablando entonces? La democracia nació sexista, nos dice la autora. Esos guerreros atenienses, exclusiva y rigurosamente masculinos, que se gobiernan ellos mismos, en lo que se llama democracia, se enfrentan a una mujer, Artemisia, que guerrea, manda y gana, dice la autora. Explica en su libro, con una claridad enorme, el androcentrismo sustancial inherente desde su nacimiento a la democracia. Y también que el binomio política-guerra es una cuestión eminentemente viril. Sin embargo, explica también que en Atenas sí se concebía la posibilidad del poder femenino. Para la autora no es todo blanco o negro. Justamente lo que hace, por medio de su agudo análisis, es explicar los grises, las ambivalencias, las contradicciones, el sí pero no, el no pero sí de las cosas. Por ejemplo, Andreia, o la masculinidad, la virilidad, es una presencia predominante en el mundo griego antiguo, pero para nada distanciada de lo afeminado. Me parecen muy importantes sus reflexiones a lo largo del libro sobre el género. La caracterización de lo masculino y lo femenino, la masculinidad y la feminidad en la Grecia antigua cruzan todo el texto. Reflexiones y análisis específicos sobre el género enriquecedores para el pensamiento feminista. En este caso, habla de Andreia, la masculinidad, ante todo como una experiencia intencional y en específico una experiencia del cuerpo, que en palabras de Butler sería la performatividad del género. Y por supuesto, la autora no puede concebir al género aislado, sino desde una perspectiva interseccional, como acaba de señalar, de edad, sexo, etnia, racialización. Imposible hacer un recuento, no es mi intención, del contenido de este libro, que se adentra en los personajes masculinos clave de la historia y la mitología de la Grecia antigua y los analiza, los deconstruye para profundizar tanto en los orígenes del androcentrismo en Occidente como en las posibilidades de poder de las mujeres. Y es ahí cuando se enfoca en las mujeres en la literatura, específicamente en la tragedia griega. Y es ahí en donde tienen la posibilidad de ejercer el poder, en monarquías imaginarias, de representar otros papeles de género que en la sociedad y en la filosofía les son negados. Es ahí en donde es posible criticar el machismo de la democracia existente. Heródoto, Homero, Sófocles, Eurípides nos entregan a mujeres poderosas. Y asimismo lo hace la autora, Artemisia de Helicarnaso, una reina que existió presumiblemente, Yocasta, reina de la mitología, Etra, quienes se enfrentan al poder y a la democracia, las dos últimas como madres en acción. También nos menciona a las amazonas, quienes solo perdieron frente a los atenienses, epítome de la virilidad, todas mujeres fuertes.
La discusión sobre la igualdad es iluminadora, nuevamente llena de claroscuros. Me parece que este texto, como casi todo lo que se escribe desde Europa o los Estados Unidos, peca, ya me disculparán, un tanto de eurocentrismo y de, o de euroamericano, gringocentrismo, vaya. Pienso que habría que hacer un esfuerzo adicional para mirar al sur global, porque seguramente hay cosas que valen la pena. No me resta sino recomendar que lean este libro, les va a encantar, y me parece más que necesario traducirlo al español. Muchas gracias. Voy a presentar a la doctora María García Castro, que es del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Como ven, aquí están representadas dos unidades. Ella es doctora en ciencias antropológicas, maestra en ciencias antropológicas y tiene una maestría en historia. Eso lo tengo que decir, ¿sí? Es docente en la UAM, en el Departamento de Sociología, tiene excelentes publicaciones, traducciones, y ya la oí hablar francés y habla muy bien, porque la oí, ¿no la oíste? Por lo menos para mí habla muy bien. Y le doy la palabra a María, por favor. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y quiero aplaudir esta iniciativa de la vinculación creciente entre la Embajada Francesa y la Universidad Autónoma Metropolitana, que me parece muy poderosa, en particular en estas temáticas que nos tienen tan en la prensa, tan en el interés cotidiano actual, después del paro que hemos vivido por motivos de igualdad de género, más bien de desigualdad de género y combate por esta igualdad. Entonces viene totalmente a tono, en una coyuntura muy favorable para permitirnos precisamente esta lucha por el poder de las mujeres. Me quiero agradecer mucho también a la UAM por esta organización, por esta invitación, por un trabajo que esperemos que se vaya consolidando, y desde luego me siento tremendamente honrada y un poco apabullada por la compañía que tengo, pero desde luego lo he disfrutado enormemente, tanto la lectura de un libro que considero verdaderamente sensacional e imperdible, como los comentarios que se han hecho hasta ahora. A mí me había invitado a una más bien conversación, pero tengo algunas notas que me gustaría comentar. Quizás algunas serán repetitivas porque no sabía yo que iba a haber una presentación como tal. Espero obviarlas sobre la marcha. Quiero decir en primer lugar que he leído con mucho interés y con gran deleite el libro de Julia Sisa. Hablaré en español porque sí creo que el público es mayoritariamente hispanoparlante. Lo he leído con mucho interés y me ha permitido corroborar la idea sustentada por ella en la amplia documentación y consistente argumentación, erudita, coincidiría yo, sobre las inconsistencias del pensamiento del supremacismo masculino, ideas que subsisten y que permean nuestras estructuras de poder y de pensamiento el día de hoy. Sisa revisita y realiza una revisión muy minuciosa de textos e ideas correspondientes a la historia y a la filosofía desde la antigüedad, particularmente en Grecia, en la que abreva buena parte de la cultura occidental, para continuar con las interpretaciones del catolicismo y más adelante del siglo de las luces y la ilustración, siguiendo el hilo de la transmisión, traducción, tergiversación de una serie de valoraciones que históricamente han logrado colocar siempre a las mujeres en condición de inferioridad y subordinación respecto a los hombres. De particular belleza resultan los fragmentos en que la cultura griega destaca las maravillosas características del cuerpo humano masculino y las asociaciones arbitrarias, repito, arbitrarias, que de ciertas características, no todas comprobables, como la temperatura de la sangre, los calores internos, la porosidad de la piel, la fuerza, el valor,
hacen derivar la capacidad de mando y gobierno, capacidad que no conceden a las mujeres, pero sí a los varones, a todos los varones, libres. Superioridad y capacidad de mando de los varones, inferioridad y obligación de obediencia de las mujeres. Destaca de esta revisión histórica la constante búsqueda y presentación de argumentos que justifican dicha condición de dominación de los varones y subordinación de las mujeres. Resulta, sin embargo, muy sorprendente que es a veces una misma característica la que es destacada para justificar la superioridad masculina y la inferioridad femenina. Por ejemplo, el apasionamiento producido por el tumus, que proporciona valentía y arrojo a los varones, pero si se habla del apasionamiento femenino, este lleva a la pérdida de control y de la capacidad de tomar decisiones. Con enorme claridad y con referencias bibliográficas precisas, Sisa logra mostrar que las asociaciones que califican a la sociedad en dos grandes categorías en función de un reparto desigual del poder, es decir, la clasificación hombres dominadores, mujeres subordinadas, son no solo arbitrarias, sino muchas veces contradictorias e incongruentes. Razón, pasión, cuerpo, mente, fortaleza, suavidad, van y vienen a conveniencia de la incesante necesidad de justificar la dominación masculina. Particularmente relevante me parece la propuesta potencial del análisis de Sisa. Las mujeres pueden, que pueden las mujeres. La pregunta que se plantea es precisamente ¿qué pueden las mujeres? Y aquí el concepto de poder toma una doble connotación. En su recorrido nos lleva la autora por el teatro, la historia, los mitos griegos en que se muestra a mujeres que pueden, mujeres que transgreden los límites que se les han marcado, que se les ha marcado a sus cuerpos, que se les ha marcado en función de sus cuerpos de mujer, con los que se les ha clasificado en la categoría de impotentes. Sin embargo, son mujeres que acceden a posiciones de poder, mandan, dirigen, combaten, derrotan, toman decisiones, es decir, mujeres que muestran sus condiciones de posibilidad de hacerse cargo del poder, de guerra, de mando, de gobierno. Las mujeres pueden. Su imposibilidad para el ejercicio del poder, su condición de menores de edad en la sociedad, su subordinación no se basa en su capacidad estatutaria. Las asociaciones, valoraciones, silogismos que hacen posible explicar o justificar la desigualdad de hombres y mujeres no se sostienen en los términos de la razón y las luces, y desde luego lo que buscan hacer prevalecer, es decir, los privilegios de unos sobre las otras, contradice la piedra angular de la estructura de la democracia moderna, a saber, el principio de la radical igualdad de los seres humanos en cuanto tales, como integrantes de una comunidad política, como sujetos libres y autónomos, independientemente de sus cualidades individuales. La Ilustración acepta la igualdad natural de los hombres, varones, independientemente de sus muy diversas y dispares aptitudes, méritos, características, pero la desconoce para las mujeres, argumentando la necesidad de la gestación, de la reproducción de la sociedad y asignándole con ello el espacio de consignación, de confinamiento, que la mantiene aislada en las tareas de decisión, que la tiene, mantiene segregada de las tareas de decisión sobre las cuestiones públicas, las cuestiones relativas a la polis. Esta es una decisión de grupo, es una decisión de los varones. Sisa nos deja en el cuestionamiento, ¿por qué privan aún las ideas de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino y de Rousseau sobre las de Plutarco y Condorcet? ¿Por qué son los silogismos aristotélicos y rusonianos los que sostuvieron y sostienen el imaginario colectivo durante tantos siglos?
y siguen teniendo tan enorme resonancia. Yo diría, como una frase intermedia, que otros silogismos son posibles. Le hace, otro mundo es posible. Otros silogismos son posibles. Es necesario seguirlos construyendo al mismo tiempo que vamos desmontando estos en que por tanto tiempo se mantuvo el sofisma de la superioridad masculina. Plutarco nos habla de que había una vez mujeres extraordinarias, destacando las virtudes y capacidades de las mujeres. Múltiples excepciones que confirman las reglas. Pero Rousseau se opone. En el Emilio nos receta. El esposo es el jefe, activo, fuerte. Se impone a la esposa, débil, pasiva. Su explicación, la ley de la naturaleza. La naturaleza ha hecho al hombre fuerte, robusto, con capacidades de poder, y a la mujer inválida, débil, lista para plegarse. Es naturaleza que se hace ley. La naturaleza, con una autoridad que se le da como si no se tratara del producto de una interpretación, de una lectura particular de esta naturaleza. Se enseña a través de esta ley de la naturaleza que sustenta la cultura occidental, se enseña a profesores y abogados, se genera un sentido común. Y a través de esto es, aún hoy, un argumento del matrimonio, formar una familia, cooperar. Matrimonio heterosexual, desigual, en donde el hombre manda y la mujer obedece. Producto, con comillas, del diseño de la naturaleza, como Dios manda, como la naturaleza manda. La disparidad de poder se impone entonces por naturaleza. ¿Y el mérito? Y el mérito es meritocracia de grupo. Todos los hombres, independientemente de sus méritos individuales, acceden a este derecho, a esta condición de igualdad. Las mujeres no. Esta meritocracia de grupo les reconoce igualdad a los hombres. Dice Rousseau, la naturaleza de la mujer está en su cuerpo, toda ella es sexo, y esto implica, de allí se deriva, naturalmente, sin lugar a dudas, el ocupar su lugar. La mujer debe ocupar su lugar, el lugar de la desigualdad, que es producto de la naturaleza convertida en razón. Ahora se habla de razón, pero sigue siendo el argumento de la naturaleza. Las mujeres deben ser educadas, entonces dice Rousseau, para ocupar su lugar. Las leyes de la naturaleza que le imponen a la mujer hacer niños amarran a los sexos, legitiman la normalidad, la normatividad. Así es, así ha sido y así está bien. Sócrates, sin embargo, propone una educación que desarrolle las capacidades para los hombres y las mujeres, salvo en la preñez y en lo relativo a ella, a la preñez, al alumbramiento y al amamantamiento. La educación debería ser una educación igual, que capacite por igual a hombres y mujeres, pero Rousseau concibe a la ciudad como compuesta por familias estructuradas con bases naturales. La naturaleza se impone a la pareja hombre-mujer y coarta las condiciones de posibilidad, impone las condiciones de la vida social. Para Rousseau, la mujer no debe porque no puede. Y no se pregunta si no puede porque no debe. Es decir, ¿por qué puede? ¿Cuál es la normatividad? ¿Cuáles son estas leyes que limitan? La naturaleza, de la naturaleza se hace derivar el derecho natural, que es inmutable. Es así, así ha sido siempre. Y esto legitima una condición, un estado de la cuestión. Para John Locke, el matrimonio es un contrato, y al hablar de contrato habla de voluntades libres e independientes que deciden asociarse, pero en esa asociación también se permea la superioridad masculina. Es un contrato, sí, pero para jugar estos roles de superioridad, inferioridad. Justificación, el intelecto y el cuerpo del hombre son superiores. Es decir, acepta la idea del contrato, pero retoma la idea de la naturalidad de la desigualdad. La justicia y los juristas crean cultura. Y esta parte creo que es medular de la fundamentación de este análisis histórico, ¿no? Los juristas crean cultura, establecen estructuras para ser reproducidas y para ser vistas como naturales y normales. Maxwell, que traduce a Cumberland, plantea que la ley natural se cumple también
la ley de la reproducción social a través de la familia y a través de la pareja se cumple también si manda a la mujer. Pero eso parece no permear. ¿Sí? Es increíble que el argumento lógico está allí claramente puesto sobre la mesa. O sea, si la justificación es la reproducción de la sociedad a través de la familia, puede reproducirse esa misma familia con un orden de poder distinto al interior, pero esto no permea. Es decir, que las mujeres sí pueden mandar, es decir, que origen no es destino. Decidir, organizar, tomar decisiones para ellas y para otros son capacidades, son posibilidades de las mujeres. El derecho positivo europeo, cuyos orígenes se justifican en el derecho natural, en la naturaleza, son producto en realidad de una interpretación codificada en masculino-femenino. Luis de Jaucourt se pregunta por qué cada pareja no puede decidir en su contrato matrimonial quién manda. La necesidad de la pareja está siendo reconocida por los calvinistas Jaucourt y Baveyrac, pero no justifica la desigualdad ni justifica la dominación. Sin embargo, perviven las leyes naturales como justificación y como argumentación de la superioridad sistémica y sistemática de los hombres. Cuando se analiza en la enciclopedia como un símbolo de la concreción, de la síntesis del saber, de las luces, cuando se realiza este compendio de los saberes, en él van inscritos ya el encubrimiento de los poderes asignados a hombres y mujeres, en las voces hombre y mujer que reflejan todo este sistema de pensamiento y toda esta justificación de un sistema de dominación. Estamos frente a un análisis que demuestra, en el libro de Sisa, estamos retomando todos estos elementos, frente a un análisis que desmonta la creación filosófica, académica y social de una ideología de la superioridad masculina, reforzada por los saberes normativos de la medicina y del derecho, que son instruidos en el derecho natural, son sustentados, en el derecho natural. La revisión de este libro nos muestra la diferencia entre hombres y mujeres y su desigualdad, nos muestra la desigualdad entre hombres y mujeres como producto de los cuerpos vividos, como una interpretación particular de los cuerpos vividos desde el disciplinamiento político. Esta es la clave de la diferenciación fundamental. Este disciplinamiento político determina qué les está permitido a las mujeres. Las mujeres son vistas como cuerpos sexuados. Este cuerpo sexuado es el criterio de la asignación de las categorías de poder distintas, dominante o dominado. Siempre igual, cualquiera que sea el argumento, siempre hombre dominante, mujeres subordinadas, independientemente de la argumentación de esta asignación. Y la razón. Y la razón entendida como todo este discurso en el que supuestamente vivimos hoy, en la ciencia, montado sobre la base de la razón, pero también la razón entendida. ¿Y cuál es la razón? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se argumenta? Lo que Sisa hace es mostrarnos la incongruencia de la ilustración y del juicio de la razón a propósito de este tema. El día de hoy, en la prensa, más allá del asunto que acabamos de vivir en la UAM, el día de hoy nos dicen la prensa que 67% de las mujeres, que 67% de los entrevistados, es decir, los mexicanos mayores de 18 años, piensa que una mujer puede ser presidenta. La prensa publica en su primera plana, como parte de la encuesta nacional sobre discriminación, que aunque la discriminación contra las mujeres en México ha crecido en el último lustro 4.4%, 67% de la población mayor de 18 años avalan que una mujer pueda ser presidenta de nuestro país. Hoy, en nuestro país, las mujeres pueden, 9 mujeres ocupan puestos en los gobiernos estatales y en los poderes legislativo y judicial se ha impuesto el principio de la paridad, se ha impuesto, presionando, batallando por ello, reclamándolo, movilizándonos, con argumentos y con fuerza.
pero el piso no es parejo. La carga del cuerpo sexuado, jerarquizado, sigue siendo una marca de nacimiento que asigna, que impone un trato desigual, no solo en el imaginario social, sino en la vida diaria. El orden de género, este principio fundamental de la organización social del poder, permanece, se debate por sobrevivir. La escritura religiosa o civil prescribe a las mujeres su lugar en la sociedad, la sumisión. ¿Por qué, si el derecho positivo se erige en contra de los principios del derecho del más fuerte, mantiene este criterio para justificar la subordinación de la mujer? ¿Por qué se impone tratar a los otros como iguales, como humanos? ¿Por qué se promueve tratar a los otros como iguales, como humanos, no incluye a las mujeres? La ley positiva establece desigualdades, las convierte en necesarias. El prejuicio. El prejuicio es el tema que atraviesa todo el texto de Sisa. La taxonomía del cuerpo y del alma. Explica, justifica, argumenta y deja de lado el papel enorme que tienen el entrenamiento y la educación. ¿Cuál es la tarea entonces? Desmontar esta ideología que ha sido anclada en cierta interpretación de la naturaleza. Cambiar el principio de la del falocentrismo. El falo no es la razón, está lleno de contradicciones y de falsas implicaciones. El Me Too, este movimiento que tuvo tanto realce, tanto eco, tanta importancia a nivel político internacional, es una exigencia de desexuación de las situaciones profesionales. Es un clamor de las mujeres para pedir que no somos un cuerpo erótico, por lo menos no en todas las posiciones de nuestra vida. También lo somos en espacios que nosotros decidimos serlo. El cuerpo no solo es sexo. El cuerpo masculino vivido como potencia y como prepotencia, es decir, esta carne hegemónica, y el cuerpo femenino vivido como sumisión, es decir, como carne subalterna, son imágenes que tenemos que transformar. Otro sentido de lo posible de los cuerpos menos guerreros, menos medidos por su capacidad de imponer su voluntad sobre nosotros a través de la fuerza, es posible. El poder de las mujeres como desafío de la democracia es lo que nos propone Julia Sisa en su texto del poder de las mujeres. Sí, el poder de todos y de todas. Un demos incluyente y universal con un trato igual para todos y todas. Estaría definido por la generalidad, igualdad, libertad, autonomía, seguridad, norma, igual para todos. La democracia actual que dé condiciones de humanidad es sustancialmente distinta de la democracia griega. La democracia actual no distingue entre las calificaciones accesorias, exige tratamiento igual a todas las personas en todas las situaciones en las que se encuentre, independientemente de sus particularidades individuales. Ese es, me parece, el mensaje que nos presenta Julia, y que agradezco enormemente por el placer de la lectura y por la posibilidad de seguir la línea argumentativa histórica, de historia de las ideas, y que empieza con una frase que un compañero muy querido me ha hecho notar, que dice: había una vez. Y cuando había una vez, es porque puede haber otra vez, otras muchas veces. Y no se trata, además, esto me parecería muy importante ponerlo sobre la mesa, porque la discusión sobre el feminismo a veces nos confunde, no se trata de quitar a unos para poner a otras, no se trata de un quítate tú para ponerme yo, se trata de un planteamiento de igualdad. Muchas gracias. Gracias, María.
como ustedes han podido ver en las tres que han hablado, el objetivo del libro se cumple, ¿sí?, al ver cómo se lee y se narra, ¿sí?, con otros ojos, ¿sí? Hemos visto el cuerpo, este cuerpo de mujer que nos constituye a todas, y aquí sí voy a hablar solo de las mujeres, y que nos constituye, pero también somos lo otro, como diría Simone de Beauvoir, ¿sí? También hemos transversalizado, ¿sí?, la sumisión, la desigualdad, la dominación, la exclusión, ¿sí?, en contradicción con el poder, ese poder que ha sido patriarcal y que ese patriarcado ha transitado desde siempre. Es horrible decir eso en historia, pero sí, con temporalidades diferentes, con contextos diferentes y en sociedades distintas, ¿sí? Poder, igualdad, diferencia es lo que Julia nos está presentando en su libro, ¿sí? Y cómo reacomodar estas categorías de otra manera. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Gracias. Gracias a todas. Ha sido interesantísimo escucharlas. Y yo quisiera retomar un poco parte de lo que mencionó la doctora Bartra. Es decir, mi pregunta va asociada justamente a perspectivas no europeas, ¿no? Incluso no me gusta usar el término occidental y oriental, porque creo que eso oculta el hecho de que seguimos siendo colonias de la OTAN y que el colonialismo, de la misma manera que el patriarcado excluye, el colonialismo también nos excluye, ¿no? Las cuestiones democráticas, la OTAN también se impone para evitar que tengamos la misma participación que los miembros de la OTAN, ¿no? Entonces, en este caso, creo que todo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con el análisis, y creo que a partir de Aristóteles otro elemento axiológico central es este hiperracionalismo, o el poner a la razón o la racionalidad como la máxima capacidad epistémica humana. Y se deja de lado otras cosas que aparecían incluso antes de Platón en Europa, pero han aparecido en muchos otros ámbitos extraeuropeos, como la intuición o la experiencia no racionalizada, porque ahora la experiencia que vale es la racionalizada, la experimentación es experiencia racionalizada. Y mi experiencia vital, si no está racionalizada a través de un experimento, no vale. Entonces, me llama la atención justamente, o sea, el análisis sigue siendo siempre desde la razón, desde la razón, desde la razón. ¿Algún comentario sobre estas otras posibles fuentes epistémicas como la experiencia o la intuición? Le sud global. Alors, je suis engagée de manière très, très passionnée dans le projet qu'on peut décrire comme Decolonizing Classics. Donc, je suis très sensible à cette. Peut-être. Si vous permettez, j'avoue, parce que sinon tout se passe en même temps. Et merci. Et donc, je suis très sensible à ces questions parce que, justement, dans ces dernières années, j'ai commencé à regarder sérieusement
à la question de l'histoire de la discipline, de l'étude de société antique, c'est particulier, société antique particulière, la Grèce et Rome, leur héritage, l'idéalisation de cet héritage, les discours de, disons, universalité en puissance qu'on attribue toujours à cet héritage particulier. Et c'est une chose qui m'intéresse énormément, ça m'intéresse de déconstruire tout ça. Et je dois dire que ma propre formation française, je suis très reconnaissante à la France, parce que ma formation française dans l'étude des sociétés anciennes a été l'anthropologie des sociétés anciennes. Et l'anthropologie des sociétés anciennes était une approche sociologique, prendre les cultures et les sociétés comme un tout, où il y a des relations sociales, où il y a des formes de complexité, où il n'y a pas des genres comme le théâtre, le roman, la poésie, ou même des formes de savoir séparées, mais il y a vraiment une circulation d'idées qui ont à faire avec des relations sociales, des formes de domination, des formes d'exclusion. Donc ma propre formation, qui justement, que l'on peut faire remonter à ce centre de recherche sur les sociétés anciennes. maintenant, ça a un nom plus bref, anima, anthropologie, blablabla. Mais disons, c'était toujours regarder au-delà de la Grèce et de Rome, regarder comparativement, regarder collaborativement, et regarder à des questions qui doivent être analysées et complètement sorties du culte, sorties du classicisme. Et donc, entre autres, j'ai organisé une petite table ronde qui s'appelait justement « Neoclassics » ou « New Classics » pour aller dans cette direction-là. Donc, résolument vers la tradition. Tout fait. Résolument vers une approche comparative qui ouvre sur toutes sortes de questions particulières. Donc, je suis tout à fait sensible à avoir double défi de notre travail, mais sur celui-ci, je suis totalement dans cet esprit. Je pense qu'il faut penser comparativement. Il faut ne pas s'arrêter à la linéarité historique et verticale. Je pense qu'il est très important de faire de la pensée critique, de la théorie critique. Il faut faire du debunk. Il faut faire des généalogies qui font émerger les formes de pouvoir là où le pouvoir se cache sous des formes anodines, de l'évidence, de corporité. Non, il y a du pouvoir partout. Dans un sens, Michel Foucault est arrivé. Il y a du pouvoir partout. Je pense qu'il faut ouvrir tout ça, il faut lire tout ça de manière critique et généalogique, mais je suis d'accord avec lui, il ne faut pas que ça devienne encore un autre enfermement auto-référentiel pour auto-culturel. Donc, absolument, voilà. Et je disais cette double invitation parce que vous me dites, Ellie, qu'il faut, il faut faire parler les femmes qui peuvent dans la longue durée de l'histoire de la pensée. Et vous avez tout à fait raison, Christine de Pizan, elle a fait un peu un rôle de figurante, et je m'en veux, et il y a beaucoup d'absentes, mais je suis en train justement de penser à un projet de livre qui serait justement le contre-champ de ces discours, aller chercher dans des situations contextualisées, polémiques, les voix différentes, la polyphonie, et la faire vraiment sortir, la faire hurler, cette polyphonie. Parce que, comme vous y disiez, tout ça a été dit, mais ça n'a pas été écouté.
Ça a été dit par des femmes et par des hommes que l'aptitude au commandement ne fait pas un droit. Ils le disent, Jocourt le dit, Samuel Pufendorf le dit, c'est un juste naturaliste qui dit, mais tous les êtres humains sont égaux, l'aptitude en tant que telle ne fait pas un droit au gouvernement. Mais il y a ces forces supérieures de corps et d'esprit des hommes. Et alors, effectivement, on est pareil, même si on rentre dans le contrat conjugal matrimonial, la femme consent volontairement se soumettre à l'homme parce que l'homme a ses forces supérieures. Et on en revient toujours au même point. Toujours au même point. C'est absolument passionnant de regarder comment c'est comme si on essayait de sortir du trou, du paradigme, vraiment l'idée du paradigme de Thomas Kuhn. Il y a des cadres généraux, n'est-ce pas, des paradigmes, puis il y a des anomalies qui essayent de ronger un peu le paradigme. Mais le paradigme avale l'anomalie et se reconstruit, trouve toujours une échappatoire. Et puis à un moment donné, il faut un paradigm shift, il faut vraiment qu'on en sorte. Et on a essayé, le paradigme est toujours gagnant, mais nous sommes là. Et les femmes peuvent, et donc à la fin on a gagné, mais c'est vrai que même dans cette perspective historique, ouverte aux sociétés qui ne sont pas l'Europe et la grande tradition nord-américaine qui existe, qu'il faut reconnaître pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est là que... Voilà, et puis la religion. La religion catholique, je suis désolée, c'est un livre très anticatholique et le prochain sera encore plus anticatholique. Donc c'est écrasant parce que même François, excusez-moi, qui écrit donc Querida Amazonia et qui essaye d'aller dans le sens de faire aux femmes des choses qui ne soient pas simplement lire et servir et aider, même lui n'arrive pas à franchir le pas, n'arrive pas à dire oui, les femmes ont le droit aux ordres supérieurs, prêtres, évêques, cardinal, pape. Il s'arrête tout le temps là. Et tant que l'Église catholique s'arrête là, l'Église catholique n'a rien à nous dire en tant que femme, à mon avis. Excusez-moi, mais c'est comme ça, je pense. Donc, oui, je vais vous prendre au sérieux, l'un et l'autre. Et merci aussi d'avoir dit une chose qui m'aide beaucoup et qui est la persistance de ces modèles vraiment de description scientifique, parce que le projet est scientifique du corps, qui sont increvables, parce que cette idée du chaud, du froid, du moelleux et du ferme, il reste dans la médecine au moins pendant tout le XVIIIe siècle, par-ci. Et c'est vrai que je dois tout. Ah oui, c'est en un sens, c'est le savoir médical officiel, le tempérament, la complexion, le caractère, et ça continue. C'est comme un disque rayé. C'est la longue durée. C'est la longue durée, c'est le disque rayé qui continue. Et si vous permettez, je voudrais dire une chose qui pour moi est peut-être le fin du fin dans tout ça. Lorsqu'Aristote nous dit que les femmes sont molles et que la mollesse est l'intolérance à la moindre douleur. Ma réponse, voilà. La réponse est, mais qui serait vivant au monde si les femmes n'avaient pas accepté d'endurer la douleur de l'enfantement de nouveau. Je veux dire, parmi les absurdités, les sornettes, les bêtises débitées par Aristote, celle-là pour moi est celle qui est la plus ridicule entre toutes et la plus tragique en même temps, parce que bon, c'est une reconnaissance vraiment totale, absolue, globale.
En tout cas, merci infiniment. Je n'ai jamais été autant embarrassée dans ma vie. Vous avez été d'une gentillesse qui me laisse sans parole, sans mots. Il y a d'autres questions? Peut-être il est trop tard. C'est trop tard pour moi. Alguien. Antes de terminar, nada más. Oh. No lo voy a leer.